Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une toute vidéo sur Inazuma Eleven de Tempête de Feu. Donc, comment affronter des matchs amicaux et comment avoir la rue commerçante. Donc, tout d'abord, on va commencer comment avoir la rue commerçante. Donc, il faut battre Occulte. Donc, je vais vous montrer où il se trouve Occulte. Excusez-moi pour la qualité. Je filme avec mon téléphone merdique. Ah, excusez-moi, j'ai tourné à des sans faire exprès. Donc là, c'est vrai quoi. Donc le mec d'Occulte, il se trouvera à Nara, je crois, oui. Oui, c'est à Nara, à la ville. Hop. Donc, le mec d'Occulte se trouvera. Se trouvera. Ici, là. Vous lui parlez. Et fera un match amical. Donc, Occulte sont pas très forts. Moi, si vous voulez affronter Prominence, je vous conseille d'avoir. Si vous voulez affronter Prominence, faut battre Occulte ou il des cyber quêtes. Cyber take. Voilà. Donc. Maintenant, le mec de Wild, je vous montrer. Donc, le capitaine de Wild se trouvera ici. Voilà, se trouvera ici. Là. Vous lui parlez? Et puis il fera un match amical. Donc maintenant, Cybertech, excusez-moi. Donc, Delph se trouvera ici. Attendez, se trouvera à Hokkaido. Quand vous avez battu Wild, ils vous disent qu'il y a un autre match amical dans le pays froid. Donc les pays froids, c'est à Hokkaido. Donc si j'ai pas de défi, vous inquiétez pas parce que j'ai le bracelet sobre. Parce que c'est un peu de les couilles les défis. On dirait comme dans Pokémon. Donc le mec d'elfe se trouve ici là. Vous le parlez, il fera un match amical. Donc dès que vous l'aurez battu, vous débloquerez la rue commerçante. Donc maintenant je vais vous montrer comment jouer contre un match amical et contre la Royal Academy. Et après je vais vous montrer comment avoir débloquer l'équipe Prominence si vous avez Tempête de Feu ou si vous avez Tempête de Glace ou Dame in Dust. Donc là je vais commencer par la Royal Academy. Donc c'est pas la Royal Academy, c'est pas la nouvelle Royal Academy, c'est la Royal Academy tout court. Donc c'est là où vous recrutez King Somfort. Et sur une nouvelle Royal Academy, vous pouvez pas recruter King et Sunfire. Donc voilà. Donc là, il y a un mec là, un mec à droite et un mec là.
Et là, vous tournez à gauche. Puis il sera là, là. Vous lui parlez, il fera un match amical. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un match amical. C'est à Kyoto. Vous y allez à la ville. Donc là, il y aura. Un mec, vous lui parlez et il fera un match amical. Et puis, je vais vous dire un autre indice, Otaku, l'équipe Otaku, je vais pas vous dire où il est, mais je vais vous dire un petit indice. Il se trouve dans la rue commerçante, dans un magasin. Donc vous lui parlez, puis voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment affronter Terea. Terea se trouve au Fokshon, à la ville. Donc si vous recrutez King, il se trouvera ici, là, vers la voiture. Donc il y aura l'équipe de Terea ici, il y aura un mec là. Là il y a un mec ici. Vous lui parlez. Donc celui-là, je vais pas le refaire, mais... Dans ma vidéo précédente, je crois, expliqué, c'est Paul. Donc, si vous voulez recruter, il faut aller à la tour. Il y aura Paul à la tour. Il faudra lui parler sur la tour. Il faudra lui parler 9 fois. Et puis, il va se barrer. Il va se barrer au resto de nouilles. À la rue commerçante. Vous lui parlez 9 fois. Et après, il va aller là. Tac. Et puis là, Paul vous rejoint. Donc, il a la main céleste. C'est assez rare, la main céleste. Donc, voilà. Et donc, attends, je vais vous montrer comment affronter Prominence si vous avez la version Tempête de Feu. J'espère que vous voyez bien, c'est pas trop lisible. Là, le commerçante se trouve là. Donc voilà, excusez-moi, je suis malade. Alors. Attendez, juste, j'ai jamais visité ce magasin. Donc, attendez, je vais vous montrer. Attendez.
Donc là, je vais vous montrer, il sert à quoi ce magasin? Là. Il faut avoir des badges. Des vieux badges. Et dès que vous avez des vieux badges, vous allez parler à ce mec. Puis il vous dit qu'il collectionne. Et puis quand vous en avez pas mal, et bah, vous allez lui parler. Il vous donne une technique en échange des vieux badges. Donc voilà, je vais vous montrer. Bon allez, je vais pas faire mon conneur. Je vais vous montrer où allait l'équipe d'Otaku. Donc le mec d'Otaku se trouve ici. Voilà. Donc celui-là, j'espère que vous le reconnaissez. C'est celui qui avait empoisonné une équipe pour gagner. Donc là, maintenant je vais vous montrer comment affronter Prominence. Le resto de nouilles se trouve ici. Il y aura Paul. Donc donc là, je suis au vieux hangar. Donc là, vous parlez à ce petit bonhomme. Il va vous dire qu'il a fait des cauchemars et tout. Et puis là, il va remarquer qu'il a parlé. Dès que Marc a parlé, ben, vous allez à la forêt de Fuji. Donc ici il y aura Torche ou Gazelle. Vous lui parlez, il va éclater la pierre qui sera là. Puis là, là il y a un chemin. Regardez, je vais vous montrer, mais je vais pas. Il y a un chemin. Puis c'est comme la route de l'autre côté. Et puis dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai le chemin pour aller à Prominence. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez, mettez un j'aime. J'espère que vous aussi, vous pourrez affronter l'équipe Prominence. Allez, bye!